Clive! Tout va bien, Guts? Tu n'as pas l'air très serein. On peut rien te cacher, Clive. Il y a quelque chose qui me tracasse. Je peux t'en parler? Je t'écoute. Eh bien, en fait, l'autre jour, j'ai entendu un marchand venu de Dalimil parler de Mamie Caron. En gros, il disait qu'elle vendait des armes à des types dangereux et qu'elle les incitait à se battre les uns contre les autres, dans le but de se faire toujours plus d'argent. Je connais bien Mamie, et je l'imagine pas du tout faire des choses pareilles. Je voulais lui parler moi-même de cette rumeur, mais j'ai peur de sa réaction. Tu voudrais pas y aller à ma place? C'est d'accord. Oh, merci à toi, Clive! Oublie pas de revenir me voir après, je veux tout savoir! Rassure-toi, je n'y manquerai pas. Comment allez-vous, Madame Caron? Bon, on fait aller. Tout se passe bien pour vos affaires en ce moment? Il n'y a pas eu de problème avec ceux de l'extérieur, par exemple? Ceux de l'extérieur? Comment ça, ceux de l'extérieur? Bizarre comme question. Madame Caron, j'irai droit au but. Si l'on en croit les bruits qui circulent à votre sujet, vous vendriez des armes à des groupes d'individus dangereux. Je peux savoir qui est à l'origine de cette charmante rumeur? Le propre d'une rumeur est d'être d'origine incertaine, voyez-vous. En revanche, on m'a dit qu'un marchand du relais de Dalimil avait répandu ce commérage. Ouais. J'espère en tout cas que vous ne croyez pas à ces sornettes. Ceci dit, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous avouer quelque chose. Fut un temps, j'ai pris part à des trafics. Mais c'était il y a des lustres. Aujourd'hui, je ne touche plus à l'argent sale. Je vous crois, Madame Caron. Il fallait seulement que nous mettions les choses au clair. C'est fait maintenant. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Ceci dit, j'ai du travail. Et je pense que vous aussi. Filez donc vous en occuper, ça vaudra mieux. En effet. Navré de vous avoir dérangé et contrarié. Guts, je suis allé parler à Caron. Oh, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, qu'elle espérait qu'on ne prenait pas cette rumeur au sérieux. Elle m'a aussi confié qu'elle trempait autrefois dans des affaires pas très honnêtes, avant de m'assurer que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je commence à la connaître, moi aussi, et mon intuition me dit que cette histoire de trafic d'armes est une invention. Ah, d'accord, je suis soulagé. Mamie est une personne honnête, tout le monde le sait! Mais il reste un problème à régler, celui de savoir qui a inventé des bêtises pareilles. Et pourquoi maintenant? En effet, c'est préoccupant. Essayons de remonter à l'origine de tout ça. Oui, t'as raison. Le marchand dont je parlais venait de Dalimil. Je vais aller chercher là-bas. Enfin, je dis ça, mais je préférerais ne pas me retrouver seul là-bas. Dis, Clive... Tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Entendu. Décidément, tu me comprends bien. Ah, rendez-vous à Dalimil! C'est d'accord. Étal qui avait été saccagé par les bandits. Venez voir mes nouveaux articles. Allez, on m'achète mes épices. Il paraît que les choses vont pas mal changer. Bien, à présent, tâchons de trouver Guts. Un chef, ça sert à garantir la cohésion. Comment est-ce possible? Oui, oui. Clive, tu tombes bien.
J'ai trouvé quelqu'un qui dit savoir des choses sur Mamie Caron. Ah oui? Allez, raconte-nous ce que tu sais. D'accord. On dit que Caron vend des armes à des bandits, des petites frappes en tout genre, et même à des armées. En faisant affaire avec des forces qui parfois s'opposent, elle attise les passions et provoque des guerres. Le sang appelle le sang, comme on dit. Et il paraît que son carnet de commandes est plein. Les gens d'ici l'appellent « marchande de mort ». On peut être citoyen sans histoire, bandit ou pourvoyeur. Elle, c'est l'argent qui l'intéresse. C'est plus Caron la marchande, c'est Caron la charogne. Je croyais qu'elle avait cessé les trafics il y a bien longtemps. Mais moi, je parle de choses actuelles, hein. Généralement, elle s'installe ici un moment, et elle repart après s'être rempli les poches. Caron, à Dalimil? Sais-tu où la trouver? Ça dépend. Elle tient un étal sur la place centrale, mais on la trouve aussi parfois dans une sorte de réserve située à l'extérieur de ce relais. Si j'étais vous, je m'y frotterais pas. Elle est dangereuse. Mais bon, qui suis-je pour vous empêcher d'aller la trouver? Bon, c'est pas le tout, mais j'ai du travail, moi. Je ne te retiens pas plus longtemps. Merci pour ton aide. Mamie, une marchande de mort? J'arrive pas à y croire! Calme-toi, Goetz. Souviens-toi que ce ne sont que des on-dit. Oui, c'est... c'est vrai. Nous avons connaissance de deux endroits où elle pourrait être. Moi, je vais sur la place centrale de Dalimil. Dans ce cas, j'irai visiter la réserve. Sois prudent, Clive. Toi aussi, Goetz. Avec la chute de gros drac. Les rumeurs étaient donc vraies? Kupka est mort. Avec ce qui est arrivé à Krodrak, il n'y a plus de travail. Il paraît que les choses vont pas mal changer dans les paroles. Venez voir mes nouveaux articles! Achetez-en! Saloperie de bandit! Ce doit être la réserve en question. Encore toi? J'ai donc affaire à un fouineur. Encore toi, dit-il. Explique-moi ce que tu fais ici. J'attends que des crétins comme toi tombent dans mes pièges. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, mes crapules, venez dire bonjour à notre ami. Merde, il est résistant, le bougre. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Bauguin.
Il pensait qu'un des proches de la vieille Caronne viendrait à Dalimil si je me mettais à propager des rumeurs sur elle. Je parle du costaud qui était avec toi. C'est lui que Bauguin voulait que je lui amène. Guts ? Mais pourquoi lui ? Bauguin voulait s'en servir d'appât pour attirer Caronne. J'étais là pour guider subtilement le gros Benet jusqu'à lui. Mais toi, t'es venu tout compliqué. Bon, je t'ai dit toute la vérité. Alors épargne-moi. Je t'en supplie. J'ai juste obéi aux ordres, crois-moi. Va-t'en, vite. Et ne t'avise pas de nous causer à nouveau du tort. Pardon. Si ce que ce type a dit est vrai, Guts est en danger. Qu'est-ce qui te prend, imbécile ? Je veux la vérité ! Dis-moi que tu as menti à propos de ma vie ! Oui, c'est vrai, j'ai menti. J'ai menti pour attirer Caronne jusqu'à moi et l'éliminer. Toi, tu n'es qu'un appât. L'éliminer ? Guts, est-ce que ça va ? Clive ! C'est lui qui est à l'origine de tous ces ragots ! Et il veut tuer mamie en plus de ça ! Moi qui pensais avoir affaire à un gros bêta sans courage. Et je vois que ton ami est sain et sauf, qui plus est. C'est bien ma veine. Vous deux avez ruiné mes plans. Je crois que je n'ai plus grand-chose à faire ici. Ton nom est Guts, c'est bien ça ? Navré de t'avoir impliqué dans cette sale affaire. C'est Caronne que je vise, pas toi. Il ne t'arrivera rien. Tu as ma parole. Non ! Quoi ? Si tu crois que je te laisserai toucher à un cheveu de mamie, jure-moi que tu n'essaieras plus de t'en prendre à elle. Jure-le tout de suite ou je te massacre ! Guts, non ! C'est pas bientôt fini ! Caronne. Mais que faites-vous ici ? Après votre visite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille mener ma petite enquête, car toute cette histoire me semblait louche. Je me suis alors souvenu d'un marchand qui avait déjà fait preuve de lâcheté envers moi. Tu ne m'avais pas manqué, Bauguin. Je pensais que les années t'auraient fait mûrir. Au lieu de ça, je te retrouve en train de fomenter ta vengeance en te servant de mon protégé. En tout cas, tu continues de faire honneur à ton surnom, Poule Mouillée. Caronne, vieille sorcière ! Tout est de ta faute ! Tout ! Je veux que tu payes pour ce que tu m'as fait ! Guts, non ! Tu ne feras rien à mamie ! Ou alors, tue-moi d'abord ! Oh, merde ! Merci, Guts. Maintenant, écarte-toi. J'en fais mon affaire. Dis-moi, Poule Mouillée, tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a longtemps ? Œil pour œil, dent pour dent. Je pense que tu sous-estimais la violence de ces mots. Il est temps que tu la ressentes dans ta chair. J'ai été un peu longue, peut-être. Vous ne l'avez quand même pas... Tué ? Non. Je n'allais quand même pas lui ôter la vie. Je me suis contenté d'un de ses yeux. Eh oui, j'ai pris son œil pour œil au pied de la lettre. Un problème avec ça ? Œil pour œil. Mais alors le vôtre est un... Un œil de verre, oui. Autrefois, Poule Mouillée et moi-même travaillions ensemble. Mais un jour, il m'a accusé de l'avoir volé. Il m'a donné un coup qui a atteint mon œil droit.
Il s'est infecté et j'ai fini par le perdre. C'est alors que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Après beaucoup d'efforts, je suis parvenu à débaucher toute la clientèle de Poule Mouillée. Et lui, il a fini sur la paille. Je croyais que ça l'avait calmé. La preuve que non. Quand je pense qu'il a passé toutes ces années à ruminer sa haine, quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû s'en prendre à mon employé préféré. J'espère qu'il ne t'a pas blessé, Guts. Non, non, mamie. Tout va bien. Mais... et s'il essaye de te tuer ? Oh, ne t'inquiète pas. Qu'il vienne, et il verra bien. Enfin, façon de parler, puisque s'il tente quoi que ce soit, je m'occupe de l'autre œil. Là, il aura du mal à se venger. Bon, eh ben on continuera cette charmante discussion au repère. En route. Sacré Caron. Il vaut mieux l'avoir comme allié que comme ennemi. Je me serais bien passé de cette escapade à Dalimil. Mamie, je suis désolé. Je voulais seulement te protéger. Te protéger comme tu me protèges depuis le jour où tu m'as recueilli. J'allais pas te laisser avec ces parents violents. Heureusement qu'ils m'ont laissé te prendre à mon service. Mais pour moi, tu as toujours été bien plus qu'un simple employé. Ce que Poule Mouillée m'a enlevé, tu me l'as rendu par ta bonne volonté. Mais passons, et arrête un peu de te faire du souci pour moi. Occupe-toi de cet étal, c'est plus important. Mais j'en ai bien l'intention. J'ai pas fini de t'aider, moi, mamie. Oui, j'avais compris. Puisque tu commences à avoir la bougeotte, je te laisserai avoir ton propre étal. Merci, mamie. Ce garçon a de l'avenir. Oui. Mais j'espère qu'il va gagner en autonomie. Jusqu'ici, il me faisait penser à un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Guts et moi, vous avons causé bien du tracas, mon pauvre Clive. Vous méritez une compensation. Vous vous donnez déjà bien assez de mal, Madame Caron. Pourtant, je ne fais que ce pour quoi on me paie. Ne vous inquiétez pas. J'aime mon travail et cet endroit me plaît. J'y suis, j'y reste. Sid, tu tombes bien. Est-ce que tu as un instant ? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, j'ai perdu une balance. C'est une balance à plateau que Mead avait gentiment fabriquée pour moi, et j'y tenais. Je l'avais confiée aux enfants en pensant que l'objet les aiderait à comprendre le principe des poids. Mais elle n'est plus là où ils l'avaient mise. Impossible de la retrouver. Les enfants disent qu'ils ne savent pas où elle est passée, mais mon petit doigt me dit qu'il me cache quelque chose. Tu ne voudrais pas essayer de les interroger pour en savoir plus ? Peut-être qu'à toi, ils se confieront. Bien sûr. Je suis très doué pour interroger les enfants. Oh, merci. Je suis sûre que tu arriveras à leur tirer les vers du nez. Cette balance était un cadeau de Mead. Même si ce n'est qu'un outil, il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si les enfants l'ont égaré, j'espère qu'on va la retrouver. Ils doivent sûrement être dans l'annexe en train de jouer à cette heure-ci. Thank you.
Ah, Sid! Bonjour, les enfants. J'aimerais vous poser quelques questions. Je cherche la balance de Mademoiselle Shirley. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Allez, dites-moi la vérité. Vous avez cassé la balance, c'est ça? Désolé. On l'a pas cassé, on l'a juste normalisé. Oui, pour faire comme Mlle Mead nous l'a appris. Mead, vous voulez dire que c'est elle qui vous a suggéré de faire ça? Oui, on veut devenir des ingénieurs comme elle quand on sera grand. Mlle Mead a dit que pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut le démonter et le réassembler. Parce que c'est très important de n'analyser comment les choses marchent. N'analyser, hein? Je comprends mieux. Alors dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à réassembler cette balance. C'est la première fois qu'on essaye et on n'arrive pas à la remettre comme avant. Ce morceau-là, on sait que c'est le bas, mais après, on ne sait pas trop comment faire. Bon, on va revoir ensemble le processus de réassemblage. Si on commençait par regarder de plus près ces pièces... Écoutez-moi bien, les enfants. Les morceaux de métal que nous avons ici constituent les pièces de la balance. Elles ont toutes un rôle bien précis. Nous allons donc essayer de retrouver à quoi sert chacune d'entre elles. Vous savez que cette pièce rectangulaire est la base et se place en bas. Maintenant, observons les autres. Cette pièce a une forme unique. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit elle se trouvait? Elle est jolie. On dirait des ailes de chocobo. Sid, tu sais monter à dos de chocobo, pas vrai? Tu nous apprendras, dis. On verra. Mais restons concentrés sur la balance pour le moment. Ah, je sais! Je crois que cette pièce était en haut. Et il y avait quelque chose qui pendait au bout, non? Excellente réponse. Nous sommes sur la bonne voie. Ces deux petites assiettes s'appellent des plateaux. Il y a des chaînes attachées à chacune d'entre elles. Vous vous souvenez comment elles étaient placées et à quoi elles servent, n'est-ce pas? Oui! C'est là qu'on doit poser quelque chose pour le peser. Ah oui! Et de l'autre côté, on met un objet différent pour comparer lequel des deux est le plus lourd. Tu crois qu'on pourrait savoir qui est le plus lourd entre Götz et Otto avec ça? Il faudrait une balance vraiment très grande pour ça. Je crois bien que les chaînes vont vers le haut, c'est ça? Il faut les attacher, non? Exactement. La prochaine étape, c'est de trouver où les fixer. Cette petite roue dentée s'appelle un rouage. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui, j'en ai déjà vu dans l'antre de Mlle Mead. Ils tournent sur eux-mêmes. Il y en a toujours plein dans les inventions de Mlle Mead. Elle a dit qu'elle en avait fabriqué tout un tas à l'école. C'est un élément très important en ingénierie. On les utilise dans beaucoup de machines. Leurs petites dents s'emboîtent dans des trous pour faire bouger d'autres pièces. Tu te souviens à quel endroit ce rouage se trouvait dans la balance? Je me souviens pas d'avoir vu des trous pour mettre les dents. Peut-être que c'est quand on utilise les assiettes, parce qu'elles bougent. Si on trouve pas où mettre les petites pièces, on n'a qu'à commencer par les grosses. Comme ça, à la fin, on trouvera plus facilement où placer ce qui reste. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous chercherons plus tard l'emplacement du rouage. Bien. Je crois que nous avons une meilleure idée du rôle et de l'emplacement de chaque pièce. Est-ce que vous vous sentez capable de les réassembler maintenant? Oui, je crois que ça va marcher cette fois. Alors vous allez me donner les instructions et moi je vais reconstruire la balance. Il faut commencer par la boîte, non? Elle se met en bas et les autres pièces se placent dessus. Ensuite, il faut poser les ailes de chocobo en haut. C'est ça. Et ensuite, il faut accrocher les petites chaînes des deux côtés. Compris. Il n'y a plus qu'à bien les emboîter pour qu'elles ne se détachent pas. Voilà, je crois que c'est terminé. Bravo! Elle est réparée! Merci beaucoup, Sid. Si vous rêvez de devenir ingénieur, il faudra vous entraîner à réassembler des objets simples. C'est promis! On est les émules de Mlle Mead, après tout! Ces émules?
Oui, elle a dit qu'elle voulait faire des émules pour l'avenir et que c'est pour ça qu'elle nous apprend plein de choses. Est-ce qu'on arrivera à être comme même Zelmid plus tard? Oh, j'en suis sûr. Mais évitez de vous entraîner sur les affaires de Mademoiselle Shirley. Ça vaudra mieux pour tout le monde. D'accord, on a compris la leçon. On s'est bien compris? Je vais expliquer à Shirley ce qui s'est passé. Tiens, au fait, on n'a pas trouvé où placer le rouage. C'est vrai. Sid avait dit qu'on chercherait plus tard, mais la balance avait l'air de marcher. Sid, est-ce que tu as retrouvé ma balance? Oui, tu avais bien deviné. Les enfants étaient responsables, mais ils ne l'avaient pas perdue. Seulement démontée. Mid leur a montré comment analyser le fonctionnement d'un objet en le décortiquant. Ils ont donc cherché un objet pour essayer, et ils l'ont mis en pièces. Oh non, ma pauvre balance. J'y tenais tellement. Ne crains rien, ta balance est comme neuve. Je les ai aidés à remettre les morceaux en place. En fin de compte, je me suis retrouvé à leur donner un cours de mécanique à la place de Mid. Merci, Sid. C'est gentil de les avoir aidés. J'ignorais que Mid leur donnait des cours aussi. Ils m'ont déclaré qu'ils étaient les émules de Mid. C'est elle qui leur a appris ce mot. On dirait bien qu'elle s'est prise d'affection pour eux. Aux yeux de Mid, ils représentent l'avenir du repère. Un espoir pour la génération future. Je comprends. Sid, est-ce que tu sais pourquoi Mid revient souvent au repère récemment ? Elle m'a dit que ses cours à l'université étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas ça la raison? Non. Enfin, ce n'est pas tout. Apparemment, l'université lui a proposé de soutenir ses recherches si elle acceptait de travailler au développement d'armes de guerre. Mid est une orpheline de guerre. Elle n'a sûrement pas envie de contribuer à la construction de machines qui provoqueront des tragédies semblables à celles qu'elle a vécues. Son rêve, c'est de créer des inventions qui font renaître l'espoir, pas qu'ils l'anéantissent. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle a voulu recruter des émules. Je vais faire mon possible pour qu'elle et tous les enfants ne souffrent plus jamais à cause de la guerre. Nous avons tous de la chance de t'avoir, Sid. C'est toi notre espoir pour l'avenir. Et merci pour la leçon de mécanique. Clive, j'ai besoin de ton aide à propos d'une recette que j'arrive pas du tout à reproduire. Je peux compter sur toi, dis. La cuisine n'est pas mon fort, mais dis-moi tout. Mais j'allais pas te demander de cuisiner à ma place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de ton temps. Et puis, de ta force. Alors voilà, Yvan m'a lancé un défi. Celui de préparer un des plats de Valistea à un voyage gastronomique. J'ai donc choisi une recette de ce bouquin. Et je l'ai reproduite comme je le pouvais. Résultat, c'était absolument immangeable. Bah. C'est un livre de recettes monstrueuse. Rien d'étonnant à ça. Certes, mais moi j'ai pas l'intention de dire « Tant pis, j'abandonne !» Et même si ça fait du mal à mon orgueil de cuisinière, je dois te demander de l'aide. Je vois bien que cet échec t'irrite, Molly. Et rassure-toi, je suis disposé à t'aider. Bien, quel est ce fameux plat? Des beignets de foie de Draco. Ça en jette, hein? Pour une cuisinière comme moi, ça avait l'air tout bête, malgré les noms bizarres.
Hélas, ce que j'ai pris en lieu et place du foie de Draco et de la barbe de dragon n'a pas fait l'affaire. La recette était un fiasco. Il est possible que les noms mentionnés dans le livre ne soient plus usités. Il me semble que c'était le cas pour la recette d'Ivan. Ouais. Faudrait demander l'avis d'un savant, je pense. Je crois en connaître un. Notre vieil érudit s'y connaît peut-être en gastronomie. À voir. Je vais aller lui rendre une petite visite. Il a sûrement des pistes. Et si je peux, j'essaierai de trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu veux bien ? Ça m'embête, mais... moi, j'ai déjà du pain sur la planche. Vénérable Harpocrate, j'ai besoin de tes lumières, à nouveau. C'est au sujet d'un livre de recettes. Oh, Valistea, un voyage gastronomique. Oui, un très bel ouvrage. Je goûte particulièrement les tournures archaïques, vois-tu. Cependant, le profane trouvera bien obscur ces noms d'ingrédients. C'est pour ça que je suis ici. Saurais-tu comment trouver du foie de Draco et de la barbe de dragon ? Ah, j'en conclus qu'il y aura donc un vieux plat sambrécois au menu. Merveilleux. Les descriptions des beignets de foie de Draco ne manquent jamais de me faire saliver. Cependant, Draco est l'ancien nom qui désigne une wyverne. Le foie de cette dernière est l'ingrédient essentiel de ce mets traditionnel. Du foie de wyverne, ça fait très sambrécois. Les gens de cette région consomment du foie de saurien, car ils pensent recevoir des bribes de la force de Bahamut qui fait l'objet de leur culte. L'ingrédient mentionné ici semble être issu de la wyverne à dos bleu. On la nomme ainsi en raison de la couleur bleu-mer de ses écailles dorsales. Je sais maintenant où chercher le foie. Qu'en est-il de la barbe de dragon ? Aujourd'hui, on l'appelle canne de saint. C'est une espèce qui pousse sur la côte au nord de Francastel. Elle est reconnaissable à sa couleur jaune et à son parfum réputé fort. Ainsi, en trouver sera facile. En outre, on dit que les wyvernes vivent dans la même zone. Autrement dit, c'est à quelques encablures près, au même endroit que tu trouveras les deux ingrédients nécessaires à cette divine recette. Les deux au même endroit. Voilà qui est commode. À présent, j'y vais. Bon voyage, Clive. Et je tiens à goûter le plat quand il sera prêt. Compris ? Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Maintenant que j'ai le foie de Wyvern, il faut que je trouve la plante. Une couleur vive avec un parfum entêtant. Voilà qui va redonner le sourire à notre reine de la cuisine. Rentrons, repère. Alors ? Harpocrate a pu t'aider, j'espère. Oui, et il a encore une fois été remarquable. Il m'a même indiqué le bon endroit. Est-ce qu'il t'a dit à quoi ils correspondent, sinon ? Les noms dans le bouquin, là ? Du foie de Wyvern à dos bleu et... une plante, la canne de sein. Ah ! Du foie de Wyvern, tu dis ? Eh ben, j'ignorais que les dracos pouvaient être aussi gros. Bon, allez, va falloir que je m'y mette, moi. J'espère que ça aura bon goût. Si ces ingrédients sont les bons, ça ne devrait pas être mauvais du tout. Et voilà, c'est prêt! Des beignets de foie de Wyvern. Yvan, c'est à toi de goûter pour voir si c'est comestible. Fallait pas me défier. Assume maintenant. Mais avec joie! J'ai hâte de mordre dans cette appétissante tranche d'histoire de la gastronomie! Bon, encore un échec cuisant, on dirait. C'est du foie de Wyvern. C'est croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Oh, c'est parfait. Mais outre cette texture tout en nuances, j'apprécie la senteur prononcée des herbes. C'est un tour de force, un véritable exploit culinaire, un tourbillon d'arômes et de saveurs. Pour les papilles, ce plat est-elle un avant-goût de l'extase céleste? Je crois que c'est réussi. Avec ce charabia, je suis pas sûre d'avoir tout bien saisi, mais j'aimerais te croire. Dis, c'est mangeable, hein? Mangeable? Non, remarquable! Les clients vont se bousculer pour y goûter, je te le garantis! Sid, pour les satisfaire, il va falloir que tu envoies tes bravos que siront plus vite un bon nombre de Wyvern à dos bleu. Je verrai plus tard. Cette chose dégage une énergie. Sid, tu pourrais me rendre un service? Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les Lames de Pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test d'aptitude aux volontaires. Est-ce que tu pourrais te charger de l'évaluation de ce dernier? Je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les Lames de Pierre, chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais elles sont toutes en mission, à commencer par Gab. Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en tant qu'observateur qui a l'habitude du terrain. Ça me semble logique. Donc tu es partant pour juger ses aptitudes, hein? On n'a jamais trop d'éclaireurs. C'est bien dit, Sid. J'ai demandé à l'intéressé d'attendre à l'entrée de Francastel. Je pars devant pour l'avertir. Rejoins-nous sur place. Je vais me dépêcher, oui. Merci encore d'accepter. On se retrouve plus tard.
Azer m'a demandé de venir à l'entrée de Francastel, mais c'est relativement grand. Rachid. Voici donc Sid. Je te présente le candidat. Ember, c'est à toi. Je m'appelle Ember. Allons, détends-toi. Je vais superviser ton test. Je te souhaite bonne chance. Bien sûr. Merci, Sid. C'est vraiment un honneur pour moi d'être évalué par le grand Sid. Pour être éclaireur, donc. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tenir ce rôle dangereux ? Eh bien, pour vous dire la vérité, je suis très admiratif de Gab. Admiratif de Gab ? Oui, c'est grâce à lui que je suis libre aujourd'hui. Sans magie, sans soutien. Juste lui et ses compétences m'ont sauvé la vie. Et il a réussi à mener sa mission à bien en plus de cela. Les bons jugements de Gab et sa capacité à passer à l'action m'ont impressionné. Cet homme est un héros. Il serait ravi de l'entendre. N'oublie jamais ce sentiment, Ember. C'est lui qui te donnera la force de continuer. Reste sur cette voie et tu feras une bonne lame de pierre. J'ai réussi ? On n'a pas encore commencé. Alors écoute. Pas très loin d'ici, il y a une tour de guet impériale à l'est. Les gardes y notent toutes leurs observations dans un registre. À toi de me le rapporter. Je prends le registre, d'accord. Il n'y a rien d'autre ? Non. Tu devras arriver à ton objectif selon ton propre jugement, en définissant seul un plan d'action. Tu devras évaluer la situation, déterminer un point d'entrée, créer une distraction et réussir à t'enfuir. Tout ceci représente le travail d'éclaireur qu'on va évaluer chez toi. Ember, Gab est notre meilleur éclaireur parce qu'il connaît ses limites. Bien juger la situation est critique. Connaître ses limites, compris. Je ne vous décevrai pas. La mission est bien moins dangereuse qu'elle n'en a l'air. Je compte quand même sur toi pour le surveiller. Merci. Je m'en charge. Vas-y, Ember. Impressionne-moi. Ember m'a l'air plutôt doué en combat. Peut-être pas si doué. Oh non. Ember, prépare-toi. Je peux pas. Alors cours. Oui. C'est par ici. Je vais pas te laisser faire. Merci. Allez, non. Ember.
Il a déguerpi plus vite que son ombre. Retournons à Francastel alors. Je ne pensais pas te revoir si vite. Oui, Amber. Il a réussi? Ah, je pensais qu'il était avec toi. Je l'ai suivi sur la route de la Tour de Guet. Il a bien géré le trajet, mais en arrivant à destination, il s'est retrouvé face à un énorme ibis. Et je crois qu'il a fini par s'enfuir. Il aurait pu atteindre la tour, mais il était pétrifié. Il n'a rien pu faire contre cette énorme bête. C'est là que je suis intervenu. Je me suis chargé du monstre. Mais je n'ai pas réussi à retrouver Amber. Plus aucune trace de lui. Je suis désolé, Sid. Je sentais qu'il était un peu nerveux, mais de là à s'enfuir. J'y suis arrivé, Sid. C'est bien le registre que vous m'avez demandé de récupérer, n'est-ce pas? Hein? Comment t'as fait? Ne me dis pas que tu as pu infiltrer la tour pendant que Sid s'occupait du monstre. Pourquoi? J'avais pas le droit de faire ça. Le but était juste de rapporter le registre. Il n'a pas tort, Nazer. Il a su garder la tête froide. Mais Sid, il... Il a donné priorité à son objectif. Retournons au repère pour délibérer. D'accord. On se retrouve là-bas pour discuter de son évaluation. Toi, tu restes avec moi. Oui, sergent. T'es de retour, Sid. Mes hommages, Sid. Ouais, merci pour tout. T'en as pas trop bavé avec ce petit test, j'espère. Pour tout te dire, en tant que superviseur, je suis très curieux d'entendre ton avis. De ce que j'ai compris, tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Amber a perdu son sang-froid face à un monstre de grande taille. Mais il est resté focalisé. Il a pu mener sa mission à bien, ce qui est le plus important pour un éclaireur. Effectivement. Merci pour ton évaluation sincère, Sid. Mais cependant, malheureusement, Amber n'a pu parvenir à ses fins que grâce au soutien en combat apporté par Sid, qui a volé à son secours. Je pense qu'il lui manque l'autonomie qui est requise aux lames de pierre. Amber aurait dû pouvoir se débrouiller tout seul. Attends, Nazer. Amber manque d'expérience, c'est clair. Mais il déborde de bonne volonté. Sa détermination le poussera à s'améliorer, j'en suis sûr. Prenons-le d'abord comme apprenti. Avec un bon entraînement, n'importe qui peut manier une épée et augmenter ses capacités en combat. Et Clive a vu quelque chose en lui. Un instinct d'éclaireur, qu'il ne s'apprend pas. Je propose donc que les lames de pierre l'acceptent comme apprenti et le forment pour en faire un gaillard aguerri. Ça vaut le coup de lui faire confiance, non? Oui, ça se tient. Je ferai tout ce qu'on me dit de faire. Je m'entraînerai jour et nuit pour devenir un éclaireur comme Gab. Faites-moi confiance, vous verrez. Il pète la forme, celui-là. Je déteste pas ce genre de gars. Il me rappelle un certain comique. En y réfléchissant... On doit s'adapter à ce monde qui change. Il serait peut-être temps d'avoir une section d'éclaireurs chez les lames de pierre. Ce serait une force. En tout cas, Gab s'est trouvé un fan pour une fois. On va éviter d'aller trop lui en parler. Sinon, il va nous cacher les oreilles avec ça. Ah, faut retourner au boulot. À plus tard. Un grand merci, Sid. Ce test a été très mouvementé. C'est mon quotidien, crois-moi.
Et aux lames de pierre, on a besoin de gens comme Ember pour secourir les pourvoyeurs en détresse un peu partout. Bon courage. Merci beaucoup, Sid. Qu'est-ce qui est arrivé à même... Ah, oh, Sid, tu tombes bien. Pourquoi? Vous avez encore mis en pièce une des inventions de Mid? Mais non, enfin! On est inquiet pour Mlle Mid. Elle est bizarre en ce moment. Elle écoute pas trop ce qu'on dit. Elle a la tête dans les rouages. Dans les nuages, Andouille. C'est ce que j'ai dit, dans les nuages. Et depuis quand exactement est-ce qu'elle est distraite, selon vous? Depuis qu'elle t'a aidé avec son bateau. Quand je suis rentré des Shindrak? Peut-être que ce qui s'est passé l'a un peu secoué. Son bateau est cassé? C'est pour ça qu'elle est triste? Il ne faut pas démonter les affaires de Mid, tu sais. Nous, on veut que Mlle Mid continue de faire plein de chouettes inventions et qu'elle soit toujours contente. Sid, tu peux nous aider? Il faut que tu réassembles Mid. D'accord, d'accord. Je vais aller la voir. C'est vrai? Formidable. Merci, Sid. Je pense qu'elle est dans son atelier. Arthur, on t'a déjà dit que c'est l'antre de Mid, le nom officiel. C'est noté. J'y vais dès que possible. Mid, est-ce que tu as un moment? Ah! Mais oui, j'ai trouvé! C'est ça la solution! Ça va marcher cette fois, j'en suis sûre! Il va voler! Attends, tu as bien dit voler? De quoi on parle exactement, là? Je veux faire voler l'entreprise. J'y réfléchis depuis notre retour des Shindrak. Tu sais que les enfants s'inquiétaient pour toi? Ils pensaient que tu avais le cafard. Et pourquoi est-ce que tout ça te tracassait exactement? Tu peux m'en dire plus? Mais d'une manière compréhensible pour quelqu'un comme moi. Voilà. L'entreprise est un navire incroyablement rapide, mais ça reste un bateau. Sans eau, il ne peut pas naviguer. Si l'entreprise pouvait voler comme le faisaient les aéronefs des temps anciens, j'aurais pu vous rejoindre bien plus vite à Shindrak. Nous n'avons pas de magie capable de faire voler les aéronefs de nos jours. Mais je ne veux pas m'avouer vaincue pour autant. Je crois que j'ai trouvé une approche qui pourrait fonctionner, en se servant du moteur à mitril. Reste à vérifier ma théorie en expérimentant. Ces aéronefs me font rêver depuis que je suis enfant. Et les événements récents m'ont décidé à m'atteler sérieusement à la concrétisation de ce projet. Je vais donc commencer par faire un test avec un modèle réduit. Et laisse-moi deviner, tu veux de l'aide, c'est ça? Oh, tu serais d'accord pour m'aider? Décidément, t'es toujours l'homme de la situation. Si tu pouvais me donner un coup de main pour trouver les matériaux, tu serais un amour. D'abord, il me faut de l'huile de graissage pour l'assemblage. Celle qu'on utilisait dans le temps au chantier naval d'Oldil serait idéale. J'espère que ça se trouve encore. Ensuite, il me faut un os léger et résistant pour servir d'axe central. Mais je serais pas capable de te dire où trouver ça, ni quel genre d'os conviendrait. Pour ça, je pense que je peux demander leur avis aux lames de pierre. Ils connaissent bien les différents monstres et animaux sauvages. Ils auront sûrement une idée. Ça m'aiderait bien si tu pouvais me donner un coup de main. Tu veux bien me rapporter tout ça encore une fois, dis? Je compte sur toi. Commençons par aller voir les lames de pierre. Nous devrions réfléchir à notre prochain. Oh, bonjour, Sid. Est-ce que je peux t'aider? En fait, oui. Je suis à la recherche d'un os à la fois léger et dur. Est-ce que tu aurais une idée d'où je pourrais trouver ça? Attends voir, je réfléchis.
Ce n'est pas un os à proprement parler, mais peut-être qu'une carapace d'Adam Ankelon du désert ferait l'affaire. On dirait pas, mais ces carapaces font partie de l'ossature des tortues. J'ai entendu dire qu'en les travaillant, on peut les façonner pour en faire un matériau très résistant. Une Adam Ankelon du désert, hein? Ça devrait marcher. Et où est-ce qu'elles vivent, ces bestioles? Il me semble qu'on nous en a signalé dans la région des Landes de Kolava, près des ruines d'Ouledobitz. Mais attention, cette Adam Ankelon-ci a l'air plutôt coriace. Je pense qu'il te faudra un peu de temps pour en venir à bout. Je vais garder ça à l'esprit. Merci.